mise en musique par Henri Sauguet et interprétée par Doda Conrad et Léon Fleischer. Voici le premier de ses poèmes, Voyage. Notre voyage nocturne. Les yeux sont les yeux des voyages. Voyage des convalescents. Quand le postillon ne chantera plus, je te dirai ma pensée. C'est une question de géologie architecturale au sujet de l'infini des montagnes, de la forme des montagnes. Il y avait sur la couverture à griffes un bol de porcelaine où la lune mettait un point. Dans le demi-sommeil de la voiture, le postillon chante, chante postillon. Je croyais que la lune était le vol de la couverture à griffes, c'était les montagnes, et que nous n'étions plus sur terre. Plus de lune aux nuits des chemins. Et je ne te connais pas. C'est ainsi que nous avançons avec notre laisser-aller vers ce pays qui n'est pas loin, que je ne souhaitais pas de connaître. Une certaine angoisse me dit que le postillon me conduit en chantant. Maintenant, quelles étaient les œuvres, votre répertoire de prédilection en musique classique, pas dans les créations? En musique classique, évidemment, Schubert. Les leaders mis en musique par Schubert sont celles que j'apprends. Mais j'ai choisi la plupart de celles qu'il a écrites pour moi, enfin, pour ma voix. Mais évidemment, si je chante Le Voyage d'hiver, ou Winterreise, ou Schönemüllerin, il faut bien que je transpose, puisque c'est écrit pour une voix de ténor ou de baryton aigu. L'avantage de quelqu'un, je ne sais pas, des ténors, certains ténors qui chantent Schönemüllerin dans le ton, évidemment, d'un certain point de vue,
croient toujours, tous ces chanteurs germaniques, croient toujours qu'ils doivent apporter quelque chose qui est leur personnalité. Or, je n'ai jamais pensé que, si j'entends Fischer Dieskau, on n'a jamais chanté avec une voix plus belle et mieux Schubert. Mais, je dis, Fischer Dieskau, c'est merveilleux, mais Schubert, c'est encore plus beau. Et alors, je préfère retrouver Schubert dans son essence. Et, voilà. Eh bien, les chanteurs, en général, m'agacent. Voilà, pour vous, c'est votre profession de foi, c'est vraiment la fidélité au texte. C'est votre profession de foi, c'est la fidélité, voir une espèce de distance. Oui, Urtext, le mot Urtext, n'est-ce pas, le texte original, les éditions du Urtext qui sont parues chez Breitkopf, sont pour moi l'évangile. Et j'ai l'impression que si vous entendez un quatuor à cordes, et la plupart des chefs d'orchestre de notre temps, ils sont très soucieux de ça. Mais les chanteurs, pas. Quand vous parlez d'authenticité, justement, de cette espèce de rigueur que des musiciens que vous avez admirés... C'est l'école, si vous voulez, de Busoni, Ferruccio Busoni et Schnabel, au début du siècle, n'est-ce pas ? On a eu beaucoup au début du siècle, je sais plus tard, dans les années 20, je crois que ça a commencé... Ce souci de chercher l'authenticité et de promouvoir l'authenticité des textes. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schien die Raben von da. Da war es kalt und finster, es schien die Raben von da. Nun sitz ich hier allein und denken im Traume nach. Nun sitz ich hier allein und denken im Traume nach. Die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz. Schließ ich wieder.
Doda, Conrad et Walter Chaudac interprétaient Fröhlich Traum, Rêve de printemps, extrait du Lied du cycle pardon, de Franz Schubert, Winterreise, Le voyage d'hiver, opus 89. Winterreise, qui fut d'ailleurs une des œuvres préférées de Doda Conrad, qu'il chanta partout et pourtant qu'il n'enregistra que très tardivement tout le long de sa carrière. L'interprétation, pour moi, est de retrouver, si vous voulez, l'émotion que le compositeur qui a mis en musique un lied ou une chanson, il met en musique une chanson ou un lied, la chanson étant le poète, n'est-ce pas ? C'est le poète qui écrit une chanson, ce n'est pas le musicien. Et il retrouve l'émotion qu'il a subie en lisant le poème.